Une guingampèse contre de Lilloise. Attention, l'interception de Peniguel qui lance Bandari qui va se présenter dans la surface. Bandari et le 2-0 pour l'en avant de Guingamp. On était rentré en toute fin de match déjà du côté du PSG lors du match en retard il y a deux semaines. Et l'autre changement guingampé, c'est Nina Richard qui laisse sa place à la recrue hivernale également, Sabitra Bandari, la Népalaise, qui a notamment réalisé un quintuplé lors de cette trêve internationale face à l'Irak. Il est tiré au premier poteau. La tête de Traoré s'est renvoyée sur la ligne. Oh, quelle occasion pour les Guingampèzes de doubler la mise sur cette frappe en pivot. La ligne. Il s'en est fallu de très peu pour que le suspense soit définitivement tué dans cette partie. Et au contraire, il est toujours là. 1-0 pour les Guingampèzes avec Bandari sur le côté gauche qui accélère face à Doucouré. Le centre au second poteau avec l'arrivée de Léger. Oh, la tête juste à côté de Marie-Charlotte Léger. Tête alors qu'elle était venue lancer au second poteau. Mais ça n'a pas trouvé le cadre. Mais les Guingampèzes là qui sont très en forme dans cette fin de partie avec Bandari à l'entrée de la surface. Et le beau contre de Lilloise, mais elle perd son duel, c'était déséquilibré évidemment. Une Guingampèze contre de Lilloise, et attention, l'interception de Peniguel qui lance Bandari qui va se présenter dans la surface. Bandari et le 2-0 pour l'en avant de Guingamp. 2-0 pour les costamoricaines sur cette récupération de Peniguel, et la Népalaise, la machine à but qui fait parler la poudre. 2-0 pour Guingamp alors qu'on est rentré dans le temps additionnel.